Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message, les énergies de ce mardi 18 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement, colère, culpabilité et totalement du passé. Je mérite de vivre dans l'abondance. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le 5 de feu. Alors, la suite de feu parle de la créativité, de la passion, de la carrière. Le 5 de feu. Conflit avec d'autres personnes causé par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. Personne très ambitieuse. Le 5 de feu. Alors, encore une fois, soyez bien à l'aise pour prendre ce qui vous sonne à l'oreille, je vais le dire comme ça, et puis ce qui ne vous sonne pas à l'oreille, voilà, c'est que ce n'est pas pour vous alors. Hein. Alors parfois, la vie nous réserve bien des épreuves. Hein. Et oui, et pour certains d'entre vous, vous vivez peut-être un conflit interpersonnel ou une fixation, peut-être sur une lutte émotionnelle qui est bien spécifique. Et la cause en est peut-être, ça peut être un conflit de volonté, peut-être avec des personnes de votre entourage ayant des objectifs et des valeurs différents des vôtres. Sachez quand même, toutefois, que le succès est encore possible hein, en ce moment, présentement, mais il demandera beaucoup d'efforts de votre part. Alors, certains d'entre vous, peut-être que vous appréciez ce genre de défi, ou peut-être vous épuise-t-il. Les difficultés peuvent sembler venir de l'extérieur, mais n'oubliez pas que la loi de l'attraction amène parfois dans nos vies des gens qui ne sont que le reflet de problèmes personnels irrésolus. Peut-être que vous avez attiré à vous ces personnes-là, une personne ou deux personnes, et c'est le miroir de vous. C'est le reflet de vos problèmes. On attire à soi ce qu'on est et ce qu'on n'a pas transcendé des vies antérieures aussi. Hein. Alors, il serait bon pour certains d'entre vous de prendre un petit moment pour y réfléchir en vous demandant si le problème est bien eux ou alors si ce ne serait pas plutôt vous. Bonne question, n'est-ce pas? Encore une fois, on attire à soi ce qu'on est. Par contre, cette carte, elle peut également annoncer un défi plus joyeux, comme une compétition. Ça peut être une compétition sportive, un concours, peut-être aussi des rivalités taquines ou une occasion de faire vos preuves face à vos supérieurs, face à d'autres personnes, n'est-ce pas? Il convient vraiment d'accueillir hein, ce message, vraiment, parce que c'est un message qui vous demande de réfléchir pourquoi cette épreuve je l'ai, pourquoi telle ou telle personne est dans ma vie, est-ce que c'est eux
qui sont le problème ou c'est moi? Et pour ça, je vous invite à demander à l'archange Jérémiel de vous aider à voir ce que le passé et le présent révèlent pour vous, pour pouvoir avancer. Demandez à ce bel archange Jérémiel de vous aider dans cette épreuve que vous subissez. Je termine par le petit oracle des anges gardiens. Opportunité, j'ai pigé, de merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc voilà, laissez le passé derrière vous et la paix est devant vous. Très beau message, n'est-ce pas, du petit oracle des anges gardiens. Alors, on se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis, d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse. Passez une excellente journée. À demain. Mmh.